c'était Maniche. Maniche, oui, et question où tu l'as posé tout pour Maniche. Et Mounio a un travail qui fait dans le niveau ça pour capable de faciliter les déplacements, permettre que les gens fréquentent les zones, fréquentent, voyager dans plus bonnes conditions. Et puis nous gardons tout l'autre problème qui entourait la réalité des gens qui vivent dans la commune, dans le département sud PIA. Richardson Jourdan, PEMS Jean-Baptiste, depuis Maniche, pour le partage avec nous. Qui en réalité aille, surtout dans le cadre de travail, caravane changement. Télévision nationale d'Haïti a continué à vivre ensemble le travail qu'a réalisé dans le cadre de caravane changement. Fois ça, nous dans le département sud pays, précisément dans la commune Maniche. Côté nous camper là, c'est sous route Maniche dans nous là. Côté gon paquet technicien, CN, TPTC qui sous route ça, qui a fait ouverture en façon pour capable avancer avec route ça. Après travail ça, pral gen asphalte ou soit béton qui pral sous route là. Gen un paquet moun dans population qui camper qui a regardé comment travail a démarré. Nous gen pour nous parler avec eux, yo même qui pral di nous comment yo travail ça qui démarré sous route ça qui mène en dedans commune Maniche. Nous invitons à suivre. Tellement content que vous avez fait là, parce que vous êtes important pour le faire. Nous remettons ça net. Nous remettons ça fait là. Ou t'as pas de bon même, ou t'as pas de bon même. Pas bon de manger pour les fonds, les tafontis là, puis t'as qu'on tire ma clabou, les deux machines à venir, même mon api va traverser. Tellement machine, ou t'as pas de route même. Moi j'aime tellement content, bah qui ça me donne, bah merci, même d'abord encore. Ça me souhaite un bon succès parce que moi même, bah qu'à foutre, dis-moi, me décafèle, moi même, mon loco me décafèle, c'est pas présent qu'à mettre pour me défendre. Parce que je suis bien content que ça a fait là, m'a toujours passé, vous, j'ai gardé, même qu'il m'a gagné, vous m'avez gardé quand même. Son bail comme si nous t'es rêvé depuis longtemps. Mais nous ne sommes pas arrivés jeunes. Mais je dis à Medzou, nous sommes dans la réalité, c'est une fierté pour nous, c'est une belle pour nous, parce que nous-mêmes dans Maniche, nous devons toujours penser que c'est un parc bête. Nous devons toujours dire que nous battons nos pays, nous battons nos communes. Quand nous avons fait route, quand nous sentons pour nos communes, quand nous avons vivre, tant que l'autre monde, tant que l'autre campérin, tant que l'autre commune, son réalité, son belle bagaille. Pour moi, c'est un grand travail. Un président et tout sénateur a fait dans la zone, c'est un grand travail pour moi. Parce que je me fie. Parce que quand pile côté a parlé y a de Maniche pas gain pour nous-mêmes nous pas senti nous monde parfois les pas dit ça Maniche ba quand nous senti une fière de tête nous là nous fière de tête nous pour nous va gain route quel soit ça besoin passer capacité à Maniche nous senti une fière de tête nous en premier lieu on dit un grand merci à président et puis sénateur à tout notre collègue lio un grand merci et puis me dit encourager pas décourager Kimbella pas décourager on va tant depuis second pour bien jeune. C'est le gouvernement sacré qui passe là, pas dit qu'on va aller à l'oral, là, t'es vraiment. C'est ça que t'as cherché. Ça ne va pas de bon même. Dis tout, mon cher, fait l'appel, dis tout, déjà, ouais, là. Pas de bon même. Grâce à la sénateur François Sidola, on a piqué puis devant, accompagné le gouvernement là, on a piqué puis devant. Et puis, on a souhaité l'autre chose encore pour faire. Moi, après ce travail-là, on a souhaité continuer pour être capable de finir ensemble avec ce travail-là et faire nous bénéficier de là. C'est un plus grand avantage que nous avons gagné par rapport à ça qui a fait pour nous. Pour ça, il y a une importance pour nous parce qu'on va nous charger l'école, surtout professeur, c'est l'envie de sortir. Les pour monter, pour descendre, c'est une casquette chinoise parce que la machine n'a pas fréquenté la route là en pile. Donc, la route là, je pense que Sylvain fait qu'on y a, il y a une utilité pour professeur, pour machine qui a fréquenté la route là et pour monde qui a fait là tout qui a pris le travail fait aller va et vient surtout sur ça. Nous avons attendu que Abgen ou l'autre débouché qui fait sur commune Maniche là. Tout travail va avancer très bien. Donc activité qui était fermée après un petit jour relancée. Commune dans tout il y a gagné une autre visibilité par rapport à ça qui vient faire là. Voilà. Nous sommes des réactions habitants qui ont fréquenté route Maniche au soir, monde qui vivent dans la commune Maniche. D'après ça, on fait qu'on est route ça, son route qui était qu'on en pile problème. C'est toujours gain la boue sur route là avec l'eau qu'on barre au problème. Mais les regards yo est tout bon TPTC démarre avec travail ça yo, yo dit yo gain espoir qu'on a que route ça di bral fini, di bral retirer yo dans ensemble problème que yo qu'on gagne. D'après ça, on fait qu'on est, yo content en pile. Les regards yo route là commencé l'ouvrir, technicien TPTC yo mobilisé sur route là pour qu'on ait yo dit y a tant de travail ça qui commencer à pour le temps fini. C'était Richardson Jourdan depuis Maniche pour Télévision Nationale d'Haïti.
On a quitté Maniche, on a toujours été dans le sud, face à nous parler Simon, pas trop loin au CAI, pas trop loin de Villa. Simon, pour nous voir qui gens travaillent avancé. On ne peut pas suspendre. Les zone Simon, les gens qui habitués chaque année à participer dans la convention, mission évangélique baptiste sud d'Haïti, MBSH, c'était principal revendication. Nous sommes dans le chef de l'État qui est habitué à aller dans la convention, surtout dans le dernier jour de convention, dans le dimanche dernier culte là. Eh bien, chaque fois que le président MBSH va parler, toujours demandé, mes amis, font genre pour que l'année prochaine, pas la boussa, font genre pour l'année prochaine, pas toute poussière ça, font genre pour que l'année prochaine, ou de 6 mois, finalement bétonné. Eh bien là, rêve là, tout en réalité, puisque le travail a avancé. Le président républicain Jovenel Moïse, dans le dernier passage dans le sud, t'es parlé sous ça. Il dit son engagement au TPRAN et à privé jout dans Boutio. Ingénieur qui travaille sur le chantier, la semaine passée, a été souligné pour TNH. D'ici 17-24 mars, il y a pour remettre le travail en bonne et due forme. Et là, ça t'avait dit, avant début de convention en avril prochain, Simon t'a doué l'autre visage. Pour week-end ça, Richardson, Joudac, Pems, Jean-Baptiste, t'es fait un coup de pied pour nous regarder qui ça cap fait. Est-ce que le travail a avancé? Et est-ce que monsieur, dame, technicien, n'a pas campé dans la route? Est-ce que toujours qu'il y a un deadline, qui c'est 17 ou 24 mars, pour que vous remettez la route ça à circulation? N'a pas le temps pour suivre tout ça. Kounye avec Richardson, Jourdan, et puis Pems, Jean-Baptiste. Travail a marché assez bien là. Comme vous constatez là, qu'on y a là, nous venons arriver dans devant Carrefour Simon là avec béton. Demain, on arrive dans Carrefour Simon devant. Et puis, nous venons rester travail en bataille bien là, nous venons faire parce que nous avons fait carnivore. Donc, nous allons continuer avec béton et semaine prochaine, nous allons travailler jour et nuit là-dedans pour nous finir. Et normalement, nous étions, disons, 20, 125 mètres, bois à ben avec de ciment parce que toute grande bâtisse a fini couvrir là avec béton. D'être nous battons nous-mêmes, nous battons nous 20 mars pour nous finir net. Mais comme Karentien est prévu, nous passons 25 mars, nous sommes là toujours. Même dernier délai, nous battons 20 mars. Nous avons des équipes là qui sont solides, qui ont nous là, pour avancer là-dedans. Là. Tant que vous voyez ce travail là, puis là, vous avez dit que vous avez un ingénieur qui travaille et puis vous avez frappé. 900 mètres linéaires, de Carrefour Simon jusqu'à Tabernacle de Simon, 900 mètres linéaires, béton et carniveau. Fondu que tout, et route ça, c'est une route qui mesure 7 mètres de large et puis il y a un carniveau. Chaussée à épaisseur. Chaussée, c'est 20 cm, c'est un bas standard. Nous commençons à frapper Maniche, nous attaquons Dolena, nous avançons vers Maniche. Nous avons 11 heures avec un pelle qui fait travail. Après ça, nous allons venir à Gredon, nous allons venir à Matériau pour faire étalage. Le président lui-même lui demande, avec tout le ministre, il faut que nous au moins 10 mètres. Il faut nous verser 10 mètres. Nous, là, c'est pour ça, nous avons l'autre bagage qui fait ici. Nous même c'est route. Côté route là. Et nous avons un travail qui fait là, actuellement là, sur des virels. Et là, on vient encore prochainement, ma foi, on fait une visite avec nous. Quand on commence, côté route, on était 4 mètres, on a mis à 10 mètres. Dans des sections communales pour nous déboucher sur la route nationale numéro 2. Côté nous, la caravane, pour qu'on arrive, pour un petit patience. Ce n'est pas l'autre bagage que nous toujours souhaitons. Pour un petit patience, et puis la caravane, on arrive sur nous, parce que le bagage n'est pas facile. Mais nous, on a gardé tout ça pour nous faire, pour nous arriver sur nous, peu à peu. Et travailler aux gens où elle est là, nous, Simon. Et sur l'autre président de la République, nous avons pour nous travailler ça avant 4 avril. Et route ça, nous connaissons, c'est lui-même qui mène dans le tabernacle de Simon, c'est lui-même qui est prêt à gagner une convention dans la première semaine du mois d'avril. Et avant la convention, faut-il bien que route ça le finisse. Et je pense que le directeur de travaux publics en sous de l'aspect technique, il y a environ 900 mètres qui l'a cap fait. Et selon l'information que je partage avec moi, il y a environ 125 mètres pour que le termine. Je pense que avant 30 mars, il faut bien que route ça est fini pour que non seulement il va desservir les gens dans la zone, mais tout il va desservir les chrétiens qui viennent dans le grand événement qui va bien pour faire. Et monsieur le premier point là, je prends le Maniche parce que nous travaillons sur Maniche là. Et Maniche, nous avons deux espaces que nous travaillons. Nous travaillons dans le centre-ville, dans le côté que nous avons bétonné. Et nous travaillons tous sur la route, côté que nous avons ouvert la route qu'on y a là. Ça veut dire que c'est le travail mécanique que nous avons fait sur la route là qu'on y a. Et pour tout le monde qui a regardé nous
et dans la télévision. Maintenant qu'on n'y a pas rêve encore, c'est réalité a commencé. Route Manich en attaqué depuis mardi matin. Et du système, tout le monde qui a regardé nous là, et il y a deux monde qui a fait politique. Il y a deux monde, genre l'autre monde qui a toujours causé avec le monde du 6 ou bien le monde Tobek sur route. Ça, ça les dit, c'est toujours ça qui présenté comme les plus gros problèmes. Maintenant, c'est même le monde aujourd'hui qui a regardé comment il a fait pour et mettre le peuple là dans une situation. Et nous avons lancé un message pour nous dire route, ce n'est pas un magasin qui vend dans un magasin. Route, ce n'est pas une maquette que le vend. On est à la cobou et on est prendre. Maintenant, route, on a ensemble de travaux pour faire là. Moi, je pense que nous avons deux routes qui ont commencé en même temps. C'était route Camperin et route du Bois. Étant donné que tout matériel, nous, usine asphalte, nous, tout ces Camperin liés, nous avons, dans un premier temps, priorisé fini Camperin parce que pipi gaille pas fait qu'une. Je pense que c'est dans ce sens qui fait que quand il y a la mgalande dans mes sens, je pense que nous avons regardé l'espace que nous faisons dans la première section et qui pourra le finir d'ici mardi, mercredi. Parce que selon l'ingénieur, il a besoin d'environ deux jours que la mettre asphalte pour le terminer avec l'espace. Ça. Et fini, nous allons traverser tout matériel asphalte et route du 6 là, et pour permettre que le monde du 6 rejoigne satisfaction. Moi, je pense que aujourd'hui, il est temps pour les Haïtiens commencer à comprendre que aujourd'hui, route ça, ensemble de travaux qu'a fait là, dans le département sud, là, moi-même comme délégué départemental, je prends responsabilité pour me dire. C'est parce que il y a un pile. Sudistes qui participent qui permettent que nous arrivions. Permettent que nous arrivions parce que c'est avec trésor public que route ça va faire. Maintenant, l'argent, ce n'est pas l'argent qu'on va le déposer au côté pour prendre ciment. C'est un pile fournisseur que nous avons dans le département qui vend ben nous et puis au fur et à mesure, nous avons acheté au fur et à mesure que nous avons payé. Maintenant, deuxième bagaille, c'est que le matériel qui a fait route, il n'y a pas problème. Maintenant, les gens ne pas arriver à comprendre que même avec eux-mêmes qui ont besoin à l'hôpital, les malades, maintenant, matériel, ils ont besoin autant de repos pour que nous fassions entretien. Moi, je pense que, et pour me répondre à la question directement, nous, à bon point, dans l'ensemble de travaux que nous entreprenons dans le département sud dans la 4 caravanes. Sans autre population, avec impatience, fait longtemps, et, mais je dis à nous avons gagné une route là avec nous. Et grâce à l'ingénieur non et fort par nous tout comme Kazek, en pile parler et je dis à nous gagner route là. La population est satisfaite de route là en partie. Nous gagnons et trottoir, pour qu'on ait une route qui a fait côté en population pas habituée avec route qui roule soir, kounye a et puis pas pour pas gagner trottoir côté pour piéton passer, la contingence nous a demandé pour ta ban nous trottoir pour piéton capable prendre côté pour passer. Et pour le message pour la population, c'est à vigilant parce que la route là l'a fait. Si vous n'avez pas contrôlé le speed limit, vous avez conduit sur le conducteur, vous avez causé accident, vous avez demandé pour contrôler les vitesses. Et comme ça, vous avez enregistré moins de cas d'accident.